without you. Et yo tout le monde, on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version platine randomizer. Donc ça y est, on est de retour, bon ça fait pas très longtemps que ça. Hein. Donc alors ce qui concerne la team, vous l'avez vu. Ok d'accord, j'ai monté mon petit Ortank niveau 20. Bon ça a été très rapide. Voilà, donc il a pris pistolet à eau et morsure. Donc voilà, donc après on a toujours le magnifique Typhlosion, par contre lui qui n'a pas bougé. Voilà. Toujours le même, toujours la patate. Donc lors du dernier épisode, nous avons attrapé le Tortank, donc et nous avons laissé Miwebellus là-bas. Et on avait galéré à choper, à essayer de choper un Hector qu'on n'a pas chopé au final. Donc en gros, non seulement on est ruiné, mais en plus on n'a pas d'Hector. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, donc c'est-à-dire qu'il y a si un Pokémon qui nous intéresse, on peut pas le choper. Donc là, la Team Galaxy avait pris le contrôle des éoliennes. Je vous rappelle qu'on est dans la deuxième ville cette fois-ci, qu'on avait battu le badge lors du dernier épisode, Roigada. Tortank, ça a été super... Le Tortank, je l'ai monté en 20 minutes. Hein. Je l'ai vraiment monté en 20 minutes. Hein. Je pensais pas que c'était aussi rapide. Hein. Martyr. Roigada utilise enregistrement. Il pourrait utiliser des vraies attaques quand même. Hein. Enfin, des attaques qui. qui font mal. Donc, j'avais vu que le let's play vous plaît. Donc, je suis très content que ça vous plaise. À partir de mon 100 vues à chaque vidéo. Moi, ça me plaît. Regardez 456 XP. C'est juste énorme. Ouais, donc après voilà, il dit que je peux rien faire parce que j'ai pas la clé, voilà. Ah ah ah, en plus il rigole. Clic, il a fermé ma clé, bon. Ouais, je suis content d'avoir monté le Tortank. Hein. Alors, est-ce que je dois aller là d'abord? Ah non, je dois aller là-bas, c'est vrai. Ouais, il nous attrape les Pokémon. T'en peux me dire dégage, hein, ça aurait été plus vite. Hein, c'est quand même de faire ton speech là. Ouais, je me souviens que c'était par là-bas parce que je cherchais un endroit pour savoir si on pouvait farmer autre part, mais non. J'espère qu'ils vont pas avoir des Pokémon badass. File-moi le doux miel. Non. Bonsoir, je suis là pour vous péter la gueule. Il faudra me passer sur le corps. Ouais, oui. Deux contre un là? Sérieux? Ah non, un contre un, tu me rassures. Tentacool! Je vous ai déjà dit, vous pouvez pas m'attaquer avec des Pokémon normaux. Bon, on a déjà affronté un Darkrai, mais voilà quoi. Des Pokémon qui en valent la peine, quoi. Qui en valent la peine. Donc j'espère que le temps d'épisode est pas trop long. Bon, on va faire tout rapide, hein. En tout cas, voilà, vous voyez que j'essaye de faire un temps d'épisode relativement court. Ouais, une quarantaine de minutes, ça va, je trouve pas ça... entre une trentaine et une quarantaine de minutes, je trouve pas ça long. À partir de 50, oui, mais entre une trentaine et une quarantaine, ça va, ça reste acceptable. Quelle honte! Vous imaginez, vous galérez contre le premier. Je me souviens, c'était dans XY. À un moment, tu devais combattre les boss de XY, bon, des méchants. Et à un moment, c'est ça, t'en affrontais une, qui était déjà chou, hein, et t'affrontais l'autre derrière, quoi. Et sauf que t'avais pas tes Pokémon de recharger, enfin, de soigner. Donc en gros, t'affrontais déjà la meuf, qui était assez compliquée. Donc tu perdais, enfin, tu... Ouais, mettons que tu perds la moitié de tes Pokémon, bah tu pouvais pas derrière, là. Ok. Derrière, tu pouvais pas, là... Elle a soigné ton équipe, quoi. Tortank, niveau 21. J'espère qu'on part trop. Alors, ça m'étonnerait qu'on change de Pokémon de typo. Hein. Tar, énorme. Non. Il est solo roche, je sais plus. Très stylé, l'animation, en tout cas. Lance pistolet à eau. Bah, alors, moi, je dirais plutôt crachat à eau.
Barrage. Ne peut pas s'échapper. Bon, t'inquiète pas que. Je comptais pas m'échapper. Hein. J'ai avantage sur toi. On a 10 niveaux d'écart avec leur tarine énorme, quoi. C'est énorme. Hein. Mais à faire gaffe quand même pour la reine. Mais là, à mon avis, je pense que j'aurais pu lui monter niveau 30 facile. Hein. Vu les Pokémon qu'il y avait dans la zone, j'aurais pu lui monter 30 facile. Hein. 440, c'est vraiment que là ce qu'on gagne en Poképièce. Hein. Même fois des Poképièces, on n'a jamais autant besoin de Pokéball. C'est une clé centrale. Kélène en soi, clé centrale. Merci, tu m'as sauvé. Tiens, prends un lot de mon précieux miel. Oh, que c'est gentil. Ça tirera les Pokémon. Ok. Alors là, je crois qu'il y a un événement pour Shaymin. Ils sont spéciales, ouais, ils sont colorés de toutes les couleurs de Sinnoh. De toute façon, le Tortank qui restera un HP. Il mourra pas, il restera un 1 HP. Je trouvais sympathique cette mécanique, mais par contre, quand t'étais à la Ligue Pokémon et que ton Pokémon il avait un HP. Oh, voilà. Oui, je veux soigner mes Pokémon. Alors, déjà, je dis oui. Donc tu te calmes la vieille. tu fais ce que je te dis. Voilà. Bah, beaucoup de personnes me posent la question pourquoi j'utilise Tortank, parce que Tortank on va le garder alors que Typhlosion. Je t'ai pas dit d'aller là, mais c'est pas grave. Alors que Typhlosion, vous voyez, j'ai pas trop envie de le garder. Ah bah si on tombe sur le trio des starters Florizarre. Enfin, Florizarre avec Dracaufeu, c'est bon. Acheter. Oh, ça va. Je peux m'en acheter combien? 8. 8. Ah, par contre, je peux pas vendre. Vendre. T'es sans zone. Non, ça va aller, c'est bon. Alors. Tenir, ouais. Pendant très long, c'est celui qui monte son taux de taux critique, ouais. Oh, 10. Oh bah non. Oh bah oui, ça on peut le vendre. Bah oui, 4000, oui, bah oui. Non. Bon, je dis qu'il y en a qui vont dire que je suis idiot, mais... Pff, ce genre de truc, on va pas le faire tenir, donc autant... Oh la vache! Vous entendez une Honor Ball? C'est cool d'avoir de la thune, hein? En parlant d'objets, il n'y a pas des trucs que je peux. Annule. Non. Attends, au moins la présence du portière s'il attaque après l'ennemi. Taper Tempierre augmente la puissance des capacités de type poison. Bah, sachant que. On a pas de petit poison. Ça, les plaques, faut faire attention. Enfin, faut regarder ce qu'on a comme plaque parce que ça peut être intéressant pour les combats. Donc là, je dois aller voir le gars dans l'éolienne. Mais j'ai oublié que ouais, les Pokémon légendaires, même s'ils popaient, ils avaient quand même le taux de capture dans légendaire. Donc tu capturais pas ça comme ça, quoi. Non, j'utilise pas la clé centrale. Bonsoir. Je dois prévenir le commandant. Alors, seul avantage, c'est que je vais gagner masse thune. Voilà pourquoi je combats, c'est qu'on va gagner masse thune. Je ne suis pas là pour m'amuser, figure-toi. Ça tombe bien, moi non plus, je suis juste là pour me faire de la thune. Mais quoi? Oh, un beau Stélix. Ça m'aurait impressionné s'il était de mon niveau, vous voyez, niveau 21-22, mais là...
Au revoir, Stélix. Là, je suis niveau 21, il est niveau 13. Même si le niveau commence à augmenter, vous voyez, il a gagné deux niveaux comparé à tout à l'heure. Là, il est passé niveau 22, je pense. Bon, voilà. Après, l'important, voilà, c'est que moi, en vidéo, dans tout cas, je peux choisir un Pokémon précis avec qui je peux combattre, exemple, la Tortank, et derrière, augmenter Typhlosion. 520, c'est nul. Mais c'est déjà ça. Et augmenter Typhlosion derrière, quoi. Je vais te combattre, moi, je combat tout le monde, moi. Donc déjà, on a croisé un Etran, un Elector. Un Articuno. Ok, donc eux ils ont des articles, hein, des conneries comme ça. Tu m'expliques comment t'as réussi à le capturer? Parce que moi personnellement, j'en ai un peu chié. Enfin, j'ai même pas capturé d'ailleurs. Par contre, t'as pas de tas de glace à ce niveau là, c'est bizarre. Alors, niveau 40, c'est sûr que t'en as. Enfin, niveau 60, t'es sûr que t'en as parce que quand on le capture, il en a. Mais depuis quand ils ont des articonnants? 505 XP. Ça, c'est normalement, c'est 505, c'est ce que tu gagnes. Ouais, voilà, puisqu'on est au niveau 30, entre 30 et 40. Hein. Pas quand ils sont niveau 13. Hein. Enfin, 11, même pas 11. Raphapsy. Il me faut rien, c'est tellement pathétique. Et moi qui me plaignais du niveau, enfin, que ça va être compliqué. Mais en même temps, ils font spawn que des Octiri ou des conneries comme ça. Allez, bim, 385 d'XP. J'espère que ta patronne va être plus forte. Hein. Enfin, déjà, t'avais un Archicodon, donc ça pouvait être. Ça pouvait poser problème. Bonsoir. Mon nom est Mars. C'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est flagrant que tu es Mars. Bah, on est obligé de gagner, donc dans tous les cas, voilà. Faudrait qu'il fasse un jeu Pokémon où quand tu perds, ça a un impact sur le jeu. Mais tout le long, parce que je sais, dans certains jeux, si tu perds, ça a un impact sur le gameplay, mais pas au début. Ah, déjà, niveau 15. Déjà, pourquoi on a un Fampi, déjà? Mais niveau 15, déjà. Donc, on commence à être dans du niveau, dans le niveau de mes Pokémon. Niveau 23, donc là je crois que Typhlosion il est au même niveau. Aragdo. Ouais, il était bien au même niveau. C'est pas titique que son sbire ait des Pokémon plus forts que le quel quoi. Ah, par contre, niveau 17, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Ouh, la vache. Qu'est-ce que j'ai fait à mes Pokémon? Bah. J'ai mis KO. Attends, ton sbire a un Articuno. L'autre, il a un Stélix. Et toi, t'as un Aragdo et un Fampi. T'as pas l'impression d'être fait douiller? Sachant que si on vous raffronte, on vous aura pas les mêmes Pokémon. Donc 1360. Non, l'autre c'est un méchant aussi. Tais-toi, vieux couteau. Donc lui, ça doit être Pluton, non? Ah. C'est long quand même, hein, quand on y va. Heureusement qu'on lit pas, parce que quand même. Ma petite fille, je sais pas si on. Ah, si on nous donne un 9, ah, si je sais, à la fin on nous donne un 9, avec... Cynthia nous donne un 9, j'ai hâte vraiment de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est quand même un Riolu ou pas? Bon, on y est loin encore, parce que c'est vraiment à la fin de chez fois. Ah, ok! Ah, bah vous êtes des gens comme ça, vous. Même pas de pourboire, rien. Oh! J'ai fait ton taf, Belladonis, hein. Faudra peut-être te bouger les fesses à bout d'un moment. Non, merci. Ouais, il arrive. Un dresseur aîné. Bah, logique, c'est un peu pour ça que je joue. Bah, attendez, on va essayer ces fameux miels, là.
Ouais, fais voir. Ça servait à rien, on est d'accord. Fais voir si on compte un Pokémon spécial proche de la zone. Que dalle. Absolument que dalle. Ça prend bien la peine de qu'il nous donne du miel si ça marche pas. Hein. Non mais Jirachi, non. C'est pas Pokémon qui m'attire. Enfin, c'est un Pokémon. Enfin, c'est un bon Pokémon, mais c'est pas un Pokémon du style où voilà. Statistiquement, elle est pas intéressante, vous voyez. Niveau. J'ai pas de chance. Niveau attaque, etc. Je suis un trou du cul. Hein. Donc vous voyez, c'est pas. C'est pas non plus du gâteau, quoi. Bon, bah, allez, c'est parti. On va aller s'acheter des Pokéballs. Ah, bah, il n'y a plus à gagner du coup. On va s'acheter des Pokéballs, se faire soigner les Pokémon. Pas de cut, parce que pour ça, franchement, on va pas mettre un cut. Hein. Acheter. J'en veux 11, donc s'il va me faire une quarantaine de balles, ce qui veut dire que le prochain légendaire, on va l'avoir. Moi, je vous le garantis. Le prochain légendaire, on va l'avoir. Par contre, on a zéro potion, quoi. C'est genre vraiment zéro de nada, quoi. On va soigner Pokémon quand même, parce que en termes d'attaque, on va pas si bien que ça. J'espère choper le troisième Pokémon. J'espère choper. Ou un légendaire, peut-être. Alors, je vais pas refaire la chasse au électeur, parce que. Faut pas me prendre pour un con au bout d'un moment. Mais voilà. Enfin, on avance dans une nouvelle zone. Alors, Manior Caméra, c'est dommage que je fasse pas un Nuzlocke. Ne vous inquiétez pas. Il y aura un Nuzlocke en temps et en heure. Pas l'année prochaine, parce que. Même si ça fait un an qu'on a fait. Pas l'année prochaine, mais il y aura un Nuzlocke. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça serait peut-être plus logique que si je l'aurais mis là, le truc. Un petit combat. Alors, pourquoi je vais combattre? Parce que, encore une fois, pour la thune. C'est franchement. Je combats vraiment entièrement pour la thune, quoi. D'accord. Oui, tous les jours. Vous aussi, vous combattez des Altariens? Oui. Niveau 14, hein, ça y est. Donc, ça y est, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Cette attaque pue la merde. Cette attaque-là ne pue pas la merde. Tu peux arrêter de me mettre des coups d'étonnement, s'il te plaît? Parce que tu m'étonnes. C'était drôle. C'était censé rire à ce moment-là. Non mais regardez, 564 d'XP. Comment ne voulez-vous pas qu'on gagne le gros lot? Alors, voyons voir quel type de Pokémon il y a par là. Me dis pas que c'est la même zone, parce que là, par contre, je m'énerve. Ou alors, il y a un pourcentage de chance pour qu'on retombe sur un low class. Par contre, il est pas du même niveau. Lui, il est niveau 9, l'autre, il est niveau 11. Dans tous les cas, pareil, la règle de 3, on la connaît au bout d'un moment, cette règle-là. C'est pas la même. Ortide, niveau. C'est là que vous voyez la différence entre les dresseurs et les Pokémon sauvages, hein. On va se rapprocher de l'entrée quand même. Je sais pas s'il y a un légendaire ici. Alors. La règle de 3 s'applique sur 3 Pokémon différents. Pas sur le même Pokémon. Enfin, des fois c'était un signe. Vous avez vu la dernière fois, on avait vu un Carapuce. Et on a capturé un Tortank. Hein. Le pire c'est que je reste un peu pour voir s'il y a. Des low class. Des low class. Je sais pas où cette aventure va nous amener. Et même si l'équipe. Enfin, ça se trouve, l'équipe, à tout moment. Alors, dans la route victoire, l'équipe a changé. À tout moment. Franchement, sans déconner. Un hippotrempe. À tout moment, l'équipe sur la route victoire a changé entièrement, quoi. Alors, il y a très peu probable, parce qu'à part Tortank en Pokémon de type eau, je vois pas. À moins qu'on croise un Kyogre, un Roudon, une connerie comme ça. C'est moi ou tu t'es dépêché de retourner ta tête?
Oui, bah oui. Il a fait. Bon, je m'en fous, ça fait de la thune. Ça fait de la thune et de l'XP. Bon, ça, l'XP, j'en ai pas trop non plus. Mais t'as mort. Besoin. Alors là, faut lui mettre les gros dégâts maintenant, avant qu'il se morphing. J'ai rien dit. Faut mettre des dégâts avant qu'il se métamorphe. Ouais, mais faudrait peut-être qu'il arrive à se métamorphe. C'est parti, reviens sur Zonk, une sifflosion, go! Kawabunga! Vous imaginez, on capture un Pokémon ou on change de Pokémon C'est pas ça que je voulais faire. C'est entièrement ça que je voulais faire. C'est bizarre de voir un Pokémon qui est vraiment dans le jeu, enfin qui est vraiment normalement à cet endroit quoi. Bon, c'est pas un montagnard qui l'a normalement, mais. Ça fait plaisir de voir enfin, les Pokémon qui sont censés être là. Imaginez, vous avez déjà un Tiflosion à ce niveau-là quoi. Scorvol, changé parce qu'il est vol et. Vol et sol, je crois, ou vol et roche. Ah, les Pokémon. Hein. 25 ans déjà, 25. Et moi j'en ai 15. Hein. 25 ans, les amis, 25, 25. Ouais, donc il était bien roche ou sol. 25, 25. Ah, par contre, si on capture un Scorvol, ouais, pourquoi pas. 493 points d'expérience. Comment voulez-vous ne pas vous en sortir. Tentant d'apprendre abri. Bah oui, logique. Même si on joue pas la strat, abri c'est toujours bien. Premier tour, bim. Surtout quand. Dans Soleil et Lune, quand tu faisais abri, qu'il te balançait sa méga. Son attaque Z quoi. C'était tellement beau. Je me souviens avec ma famille, avec mon cousin quand on jouait. Poudre d'énergie, d'accord. Et qui, je vais y arriver. Et que je mettais abri et qui balançait son attaque Z dès le début. Qui rageait parce que, bah voilà, je l'avais tué. Enfin, je l'avais tué après parce qu'il avait dépensé une attaque Z pour rien. Chuchemur. Ah non, si, chuchemur. Oui, chuchemur. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé. Je sais pas pourquoi j'ai. Niveau 14, ça y est, on commence à arriver dans le. Bon, on a toujours des niveaux d'écart avec, mais on commence à arriver dans la phase. Dans la phase des niveaux. Alors là, normalement, c'est censé être une nouvelle zone. Alors là, normalement, si j'appuie. Il y a un truc là. Ah, voilà. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça pour rien, quoi. La fameuse règle de 3. Et si on croise un Pokémon légendaire, pourquoi pas? C'est peut-être la même zone. Je pense moi-même, je pense, c'est même sûr, je pense que c'est la même zone, c'est peut-être pour ça. Moi, personnellement, le but de ce Let's Play Randomizer Pokémon version platine, c'est de trouver un maximum de Pokémon qu'on n'a pas dans la version de base, hein. Ouais, c'est entièrement la même zone. En même temps, on est à quoi? À quelques mètres du truc? Ça m'étonne aussi que ça soit. Oui, ce qu'il y a une zone, en fait, c'est pas parce que vous changez de carré d'herbe que c'est une nouvelle zone. Hein. Fallait bien aller en haut. Je tiens à vous le dire. Hein. Eau fraîche, ah, intéressant. C'est pas parce que voilà, vous allez. Par exemple, là, ouais, là, c'est pas parce que le carré. C'est un autre carré que c'est forcément pas dans la même zone. Bon, flemme de combattre. Là, je pense que c'est une nouvelle zone. Ou pas, je pense pas, non. Non, en fait, non. Le gars, il s'est contredit en deux fois. Enfin, trois fois d'affilée, quoi. Mais ne vous inquiétez pas. Le troisième Pokémon arrivera, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas si pressé. Là, on va combattre tout un dresseur. Ils vont nous faire rager parce qu'ils ont tous des Articodons des électors. Ou des Darkrai, ou des Arcanon. À niveau 15, ah, ça y est, ça commence à. Ouais.
foutu une intimidation. Ça y est, on commence à être dans le... Dans la fleur de l'âge, dans le... Dans le niveau, ça y est, requis pour... Niveau 15, ça me met... Va te faire cuire un œuf. Et quand t'as pas de Pokémon, ça fait... Ça n'a aucun effet. Bon, tu n'as qu'à éclatroc, hein. Bah, ça fait le taf, éclatroc, t'empêchant. On n'a pas la pression, mais... Typhlosion 342. Waouh, je t'ai battu. Well, c'est vrai que t'étais compliqué. Remporte 240. Mais oui, mais 240 plus 240 plus 240, ça fait assez pour s'acheter des Pokéballs. En plus, si on trouve des perles. Non, mais rien. On est d'accord que là, c'est retourné plus vite que prévu. J'ai envie de combattre, je ne sais pas pourquoi. Bah, pour me donner ta thune, en fait, je pense. Dans mon avis. C'est du mince. Un para, ça va. Ils ont pas tous des Pokémon cheatés, quoi. Bon, niveau 14, ça fait mal quand même. Oh, j'imagine pas s'ils ont des Darkrai à la ligue. Imaginez un peu le tableau. On arrive avec notre Tortank. On tombe. Enfin, c'est un Darkrai niveau 60. Je sais pas si Zinja d'ailleurs elle a quand même son Karchakrok même avec le randomizer. Je pense pas, parce que c'est randomisé quand même, mais. Il y a quelque chose par là. Oui, c'est bien ce que je pensais. B Sylac. C'est bien ce que je pense. Non. Ça doit être Dargon si je pense. Ça fait plaisir de retrouver la map. L'objet... Oui, mais il est très utile, oui, mais quand, pas quand tu veux chercher les trucs. Tu devrais venir te reposer. Oh, merci, c'est gentil. J'ai tant besoin de repos. Par contre, nous, on mange jamais. Hein. Allez, je dors. Allez, bonne nuit. Nous, par contre, les Pokémon... Ni Pokémon, ni nous mangeons, franchement. Là, ah, voilà, là, on atteint... Là, on est dans une nouvelle route. Là, c'est une nouvelle route. Là, donc là, c'est la suite. Y a pas une petite zone ici, une connerie comme ça. Ah, ok, nice. Donc, faut aller dans la forêt de Vestigion. Alors, il y a de très fortes chances qu'on trouve des bons Pokémon. Donc là, elle va nous dire qu'elle a besoin de nous pour... Ouais, traverser la forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. Comme si, moi, j'allais t'aider. Ça, par contre, ces mécaniques-là, je l'ai kiffé. Je soignerai tes Pokémon. Bah, t'as plutôt intérêt. Allez, on va voir les Pokémon qu'il y a là-dedans. Et vous imaginez, on tombe face à deux légendaires. Non, juste des champignons et des Ronflex. Ah, elle envoie quoi, elle? D'accord. Ah, par contre, elle est son niveau 20, ces Pokémon. Non, est-ce que c'est randomisé à chaque fois ou est-ce qu'elle a quand même un Rapion à chaque fois? Je me pose cette question. On va bien voir. Donc ça, j'ai compris qu'il y avait des champignons. Ah non, là, quand même un Rapion, d'accord. Donc en fait, ça sera pas randomisé les dresseurs qu'on verra alors. Une fois que t'es prédestiné à avoir un Pokémon, tu l'as tout le temps. Je suis quand même curieux de savoir. Oh, il est bien. Oh, enfin ouais, mais il est au niveau 50, je crois, un tir nocif. Hein. Enfin, 10 et 12 en empêchant. Non, mais après, voilà, je l'aurais chopé, mais franchement. Le monter jusqu'au niveau, je sais pas combien. Il n'y a pas de légendaire, j'ai l'impression. En tout cas, on n'en a pas vu. Oh, un donfon. Un donfon et un yamba. C'est vrai que là, dans le randomizer, on aurait été obligé de capturer un des deux Pokémon. Allez, c'est parti, premier combat du haut. Chala, ils ont pas des Pokémon trop puissants non plus. Ils nous sortent deux Darkrai Cresselia ou Crefadé ou je sais pas quoi. Ou une pure merde, hein, ça se trouve. Hein. Des pures merdes, c'est exactement ce que je viens de dire. Je sais pas à quel moment on est censé s'en débarrasser. Pourquoi c'est son Love 10 qui est niveau 16?
Lodi, sera-t-il Lux? Il est pas mort. Il a un HP. Sera-t-il Luxray qui s'est un niveau 16, ça aurait été un peu plus compliqué. Pourquoi l'augmente? Ça va, il fait pas mal. Bon, on va le terminer. Pourquoi c'est pas Luxray qui utilise Bélier? Il est obligé d'utiliser un pistolet à eau alors qu'il reste un HP, quoi. Allez, Rabion, attaque! Ah, niveau 25, ça y est, on commence à être dans. Dans des bons niveaux. Darnu, ah, enfin! Tu fais que dalle comme dégâts, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'elle a un. Je sais plus ce qu'elle est là. Ah ouais, elle a un. Monsieur Mime. Bon, il est tout petit! L'arnaque! Ah, l'arnaque, il est tout petit! Je pense que c'est fait exprès. Qu'ils soient niveau 20, ouais, pour qu'ils soient à peu près même plus haut que nous, ou à peu près leur niveau. Yoga! Love dit qu'ils utilisent pistolet à eau. T'entends qu'ils utilisent pistolet à eau? Enfin, moi je vais appeler ça crachat ou plutôt, franchement. Mais non, mais arrêtez au bout d'un moment, non? Meurs, il dit rien en fait. Mais attaque! Mais en plus, je comprends pas pourquoi ils augmentent leur défense à eux. C'est pas plutôt à nous qu'ils sont censés augmenter? Mince, crachat ou. T'entends qu'elle gagne 436 XP. C'est pathétique. En fait, j'attaque juste que tu. Nickel. En plus, j'ai voulu attaquer le U10. Mais tu m'en veux ou ça se passe comment? Je vais le frapper, hein. Oui, parce que je veux dire, si tu peux réutiliser l'abri. Alors, déjà qu'on est mal barré, si en plus derrière, tu attaques pas, et que tu augmentes leur défense spéciale, etc., on va pas y arriver. Hein. Je pense que ça doit être aléatoire. Je pense, oui, c'est ça. Oula, ça bug. Je pense que ça doit être aléatoire. Je pense que ça doit viser un des. Ouais, ou non, je sais pas. Même comme ça, on le met pas KO. C'est, hein. C'est incroyable. Hein. Elle va être longue cette forêt. Et en plus, il rate son attaque. Oui. Comment je peux rater mon attaque? En tout cas, si on est comme ça, il va mourir tout seul donc. Arrête avec ton accru pression. Comment je peux réussir à louper mon attaque? Enfin! Et comment je peux me baisser en attaque? Enfin, comment je peux le louper? C'est ça la question. Ouh! Très long ce combat, la vache! 487. Heureusement qu'il me donne la thune. Code sortie. Ah, pourquoi pas. Non, on va éviter au maximum. Oh là là. On va éviter au maximum les combats. Hein. Alors, on va voir s'il y a des légendaires. Mmh. Oh, j'ai vraiment cru qu'il était shiny, mais non, en fait, non. C'est vrai qu'il nous voit Pokémon de type plante. Mais en fait, j'ai pas envie de tryhard sur le Pokémon de type plante et qu'au final, bah.
Au final, voilà, je le change au bout de... N'est-ce pas, Milobélus? Ouais, je sais, je suis chiant. Tain, tain. Voilà pourquoi j'ai pas voulu attraper le Yampek. Vous comprenez mieux pourquoi. Non mais en vrai, sans deck. Quel est le pourcentage de chance pour qu'on tombe sur un Tyranocif juste après quoi? Tu m'as fait peur ce que j'allais dire si t'attaques. Ah par contre le Ronflex ça doit être une boule de... Merci c'est gentil. Ça doit être une boule d'XP. Le Tyranocif aussi, est-ce que c'est des 2 et 3ème évolution? Rapidement il frappait. Et Ronflex sauvage il frappe aussi. Ah il la reste. Ah bah nice. Alors par contre Rapion, si tu t'attaques pas le Ronflex, ça va durer 25 ans. Enfin! Ah bah il fait tomber les restes en plus. Ouais voilà. Ça c'est pas mal ça. Il y a tempête de sable. Il est combien niveau 11 je dis... Oh ça va, il n'est que niveau 11. Ça reste acceptable. Là vous voyez, je peux pas me permettre de le laisser en vie parce que je sais que le Rapion il va pas attaquer, regardez. C'est même sûr. Alors il gagne combien le Ronflex? C'est tout. Bah t'en as plus. Ah si, bah il attaque, bah dans tout cas il attaque le Tyranocif donc. Là bizarrement il attaque 3 fois. Hein. Allez, le petit Tyranocif qui va arriver. Allez, viens, mon petit. Tyranocif, Tyranocif, viens à moi. Alors là, on a combien de balles? 43. On va pas t'en débouler tant que ça, surtout. Il a même pas bougé une seule fois. Est-ce que tu pouvais... Ouais, te faire attraper avant que le Rapion te tue, s'il te plaît. Ça serait gentil de ta part. Et avant qu'il meure. Parce que nous on perd des dégâts mais pas lui. On va pas foutre, ouais, on va foutre grand max, allez, une dizaine, pas plus que ça, ouais, parce que si on en fout plus après on va plus avoir Pokéball pour. J'y ai cru hein. On va plus avoir assez de Pokéball pour le reste donc. Enfin n'empêche on va avoir une team entre Tortank et Tyranocif. Alors si vous pouvez me booster moi. Et là, il n'y a plus de sable. Ah non. J'ai cru. J'ai cru. Allez. Tu peux le faire. Allez, une fois. Deux. Eh ben non. En même temps, le Rapion, il attaquerait un minimum. Non, j'ai rien dit parce qu'il est en train de... Pourquoi c'est moi que tu victimises là? Oh. Ça dure combien de temps la tempête de sable là? Ça fait plus de 5 tours hein. Allez, tu peux le faire. À 35, j'arrête de lancer les Pokéballs, on le tue. Bon, c'est un peu le seum parce que du coup, j'aurais fait tout ça pour rien, mais. Peut-être. Arrête de me faire des fire comme ça. Un pire si je peux pas t'attaquer parce que je vais te one shot sinon. Lui qui utilise la cupression à chaque fois. Oh, pff. Il se fout de moi là par contre. Et en plus. Il le manque son attaque, il utilise morsure après quoi. Je crois que ça va être un rituel en fait de terminer l'épisode par. Par l'essai d'une capture. Allez, une. Une. C'est pas mal, une. C'est bien, une. Hein. Ah, ça a été. Non, non. Ah bah là, il va le one shot. Allez, bisous! Tout ça pour rien. Allez. Bon, voilà, encore une fois, on finit sur une capture. Sur un échec. Je pense que vous êtes habitué au bout d'un moment. Je pense que vous êtes habitué. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser, franchement.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si je trouve un Pokémon intéressant que je le capture, je récupérerai juste le moment où je le capture pour le prochain épisode. Pas pour cet épisode-là, mais en début d'épisode, je vous mettrai un extrait. Moi, je vous dis à la prochaine. Franchement, abonnez-vous. Voilà, on a encore fini sur une non-capture. Mais bon, au bout d'un moment, on est habitué. On va découvrir les Pokémon. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. C'était Force Attack. Allez, ciao tout le monde. We'll be right back.